Coucou. Alors, je reprends mon art journal que je fais tout le mois de septembre, les récréations de Paula. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne et le faire à votre tour. Et le faire même si c'est après, faire d'autres thématiques qu'elle propose. Donc là, c'était Paris by Night. Donc, peinture acrylique, pâte à texture, paillettes, collage. Ensuite, c'était les pieds en éventail. Donc, collage, tamponnage en couleur. Ici, c'est un fond à l'aquarelle. La tête dans les étoiles. Donc, fond acrylique, tamponnage. Et des étoiles brillantes collées. Coulure. Donc là, j'ai fait une pâte à structure pour les coulures, et ici, donc tout en relief sans pochoir. Des pinceaux collés. Et donc, ce sont des encres à alcool. Un souffle de mer. Non, un souffle marin, pardon. Donc ici, c'est un pouring, mais c'est un pouring à ma façon. Vous savez que j'aime faire des expériences. Donc j'ai pris du pouring, mais au lieu de diluer mes peintures dans le pouring, je les ai diluées dans de l'eau et le pouring était sur ma page. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir du relief. Là, je pense. Vous allez arriver à voir. Voilà, parce que dans l'eau, en remuant moins, ça se dilue moins vite. Et dans le pouring, par contre, la peinture se dilue très bien. Donc ici, après, j'ai travaillé des bulles au Posca. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'essayais le pouring. J'ai eu envie de l'essayer comme ça, mais j'aime vraiment tous les effets que ça fait. C'est quelque chose que je vais continuer à travailler. Là, nous avions retour en enfance. Alors moi, Pouf et Noirot, c'était mes grands copains qui faisaient que des bêtises dans Caroline. Donc c'est un très vieux livre en piteux état, qui était à mes cousines ou à mon frère aîné, qui est beaucoup plus vieux, je pense, que c'était à lui. Voilà, donc il reste vraiment que des bouts de livres que j'ai gardés et que j'ai utilisés pour faire voilà, ce retour en enfance, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça m'a bien, bien amusé. Le numéro 13, c'est Belle Plante. Donc là, ce sont des aquarelles, une pâte à structure, du collage, des tamponnages. Voilà. Moi, j'adore la menthe, j'adore les fleurs sauvages, les marguerites. Donc voilà pourquoi ce choix-là. Là, c'était plus difficile, c'était sortir de sa zone de confort. Alors bon, difficile, hein? Oui et non. Difficile parce que je déteste les têtes de mort. Donc j'ai un dies pour les copinettes, hein, pour faire celles qui aiment, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai utilisé tous ces marrons verdâtres là, toutes ces couleurs que je n'aime pas. Donc en fait, sortir de sa zone de confort pour moi là, c'est double punition, c'est toutes ces couleurs que je n'aime pas, plus une tête de mort. Et enfin, aujourd'hui, c'est Je rêve en couleur. Donc voilà mon interprétation. Ce sont des collages et des tamponnages en couleur. Voilà, vous aurez une troisième vidéo
pour les autres pages jusqu'à la fin du mois. Donc, allez voir les récréations de Paula. Elle fait des choses extraordinaires. Il y a plein de choses à apprendre. Elle utilise des produits qui sont accessibles à tout le monde. Donc, moi, je dis merci, Paula. Et je vous dis à bientôt. Bisous.